Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sweat by Sonia. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo astuces et bons plans. Comme j'ai l'habitude de vous faire, aujourd'hui je vais vous présenter une application qui va vous permettre d'acheter des billets d'avion pas chers en Europe mais aussi dans d'autres continents. Et je tenais absolument à vous partager ce bon plan parce que je trouve que c'est incroyable. Vous pouvez avoir des billets d'avion à moins de 100 euros aller-retour. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous ce bon plan, surtout qu'on est en mois de juillet, on a envie de voyager, on en a eu marre de ce confinement, on a envie de redécouvrir le monde. Et avec ce bon plan, vous pouvez voyager pas trop cher, avec un petit budget si vous l'avez. Et je trouve que c'est plutôt sympa en fait de connaître, de savoir comment on peut voyager pas trop cher, surtout pour les achats de billets d'avion. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo astuces et bons plans, je vous invite à vous installer confortablement, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram mais aussi mon compte TikTok. J'ai l'habitude de vous faire des vidéos astuces et bons plans. N'hésitez pas à aller voir sur ma playlist parce que je vous ai tout regroupé dans une playlist afin que vous puissiez découvrir les bons plans, les astuces que j'ai trouvées et que je vous ai partagées sur ma chaîne YouTube. Mais vous pouvez également télécharger cette application sur Android. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne super bien, j'ai rencontré aucun problème. Du coup, vous indiquez le nom de l'application qui est Mowgli Deal de vol. Des vols à partir de 20 euros aller-retour, bien entendu. Après, si vous voulez juste un aller simple, vous pouvez le sélectionner et le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des deals aller-retour pas trop cher et ça en vaut vraiment la peine. Du coup, je clique sur ouvrir l'application. Alors, il est indiqué trouver les meilleurs deals de vol. Mowgli analyse les meilleurs deals pour vous parmi 8 milliards d'offres chaque jour. Et là, je vais sélectionner ma ville de départ et je mets Paris parce que je suis une parisienne tout simplement. Alors, je mets Charles de Gaulle et je mets Orly parce que je vais jamais à Beauvais. Rejoignez le club et soyez alerté des nouveaux deals identifiés par Mowgli en exclusivité. Donc moi, je dis oui. Pour les bons plans, je suis toujours partante. Et là, voici l'interface, la page d'accueil si vous préférez. En haut à droite, il y a la cloche où il y a toutes les alertes. Donc, il y a les notifications et il y a aussi gérer mes alertes. Donc, je retourne en arrière. Et en haut, vous pouvez voir qu'il y a aller-retour. Ça veut dire que vous pouvez choisir des billets aller-retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien tout simplement des billets simples. Ma phrase était vraiment magique. Du coup, vous choisissez, vous pouvez régler ici à droite au niveau des critères, donc les dates de voyage. Donc il y a une plage de dates, c'est là où vous mettez approximativement à partir de quel moment vous souhaitez partir. Et en dessous, vous pouvez mettre aussi la durée du séjour et c'est entre 1 à 20 jours, voire plus parce qu'il y a le petit plus. Et à droite, vous pouvez mettre des dates fixes. Du coup, vous choisissez entre les dates flexibles ou bien les dates fixes et vous faites comme vous le sentez. Voilà, c'est vous qui décidez. Vous pouvez voir si vous pouvez avoir des escales ou pas. Donc, il y a des vols directs, il y a des vols avec une escale ou bien des vols avec deux escales ou plus. Mais sincèrement, moi, je suis pas trop fan des escales. Je crois que j'ai déjà pris... Oui, j'ai déjà pris une escale et non. C'est pas trop mon délire. Du coup, je retourne en arrière. Et là, vous pouvez mettre tout simplement votre budget. Et le maximum, c'est 1000 euros. Ensuite, il y a les restrictions Covid. Donc, il y a faible restriction. C'est le feu, il est vert. Du coup, vous pouvez y aller. Donc, pas de test ou test antigénique uniquement. Après, il y a restriction moyenne. Donc, c'est orange. C'est-à-dire que vous pouvez y aller. Mais faites quand même attention. Il y a le test PCR obligatoire à l'aller et ou au retour. Du coup, il faut surtout prendre vos précautions.
Et pour terminer, il y a la restriction rouge qui est une forte restriction. Et c'est les frontières sont fermées, il y a une quarantaine obligatoire ou un confinement général. Du coup, franchement, j'ai envie de désactiver ça parce que franchement, ça donne pas envie. Enfin, ça rappelle des mauvais souvenirs. Donc là, voilà, au niveau des critères, au niveau des filtres, j'ai mis comme ceci. Donc là, je fais valider. Et là, on se retrouve sur la page d'accueil. Et en haut, vous pouvez constater qu'il y a différents onglets. Il y a restaurants ouverts. Donc là, on vous indique les pays où les restaurants sont ouverts. Donc c'est encore une fois des critères. Restaurants ouverts, bars ouverts, plage ouvert, nature ouvert. Et pourquoi ça m'a pas mis le dernier? Donc vous pouvez filtrer selon vos envies de voyage. Du coup, moi, je vais enlever tout ça. J'enlève tout. Voici des exemples de vols pas trop chers et c'est vraiment incroyable. Pour aller à Porto, du mardi 12 octobre au samedi 16 octobre, du coup c'est un aller-retour, vous payez uniquement 50 euros. Mais c'est vraiment 50 euros, vous n'avez pas de frais, de dossier, etc. Par exemple, je vais vous montrer, là c'est le meilleur deal. Donc, vous validez la disponibilité. Si vous êtes deux personnes, vous pouvez augmenter en fonction du nombre de personnes. Pour les enfants, c'est pareil. Et les bébés également. Pour moi, je vais mettre un adulte. Juste pour voir, c'est vraiment un exemple. Là, c'est en train de charger. Du coup, maintenant, je vais réserver. Je vérifie le billet avec les horaires. C'est indiqué que j'ai droit d'avoir un sac, mais pas une valise. Donc, faut faire attention par rapport au symbole. Là, vous continuez tout simplement. Et là, vous arrivez sur les conditions du tarif. Vous validez, vous confirmez. Et vous continuez. Alors là, faut mettre, attendez... Avec le numéro de téléphone, c'est un peu compliqué pour moi. Du coup, je vais valider avec l'Apple Store. On arrive ici aux informations. Donc, je vais pas... Ah, il faut que je rentre mes informations. Oh, c'est chiant. Je pensais pas que j'allais délivrer tant de choses. A few moments later. Donc, voilà. Il y a mon nom, mon prénom, naninana. Mais de toute façon, ça sera caché dans la vidéo, bien évidemment. Et je fais continuer. Je continue encore. Alors ici, on me demande si je veux une garantie de remboursement instantané. Donc je peux obtenir un rendez-vous. Un rendez-vous, n'importe quoi. Je peux obtenir un remboursement de 70% du coût de mon billet d'avion instantanément. Aucun justificatif requis, un simple mail à mon service client suffit. Annulez votre billet en moins de 48 heures avant le départ de votre vol. Donc, je fais aucun remboursement parce que c'est 10 euros si vous voulez une assurance. Et maintenant, on me demande de payer 49,98 € et il me semble que le billet, il était à 50 euros. Voilà, donc maintenant, je renseigne ma carte bleue pour valider mon billet d'avion. Je vais vous montrer d'autres destinations avec des billets vraiment intéressants. Je descends et là, c'est pour aller à Barcelone le 4 octobre jusqu'au 13 octobre. Et le billet, il est à 55 euros aller-retour. C'est hallucinant comment c'est pas cher. Ensuite, vous pouvez avoir un billet d'avion pour aller à Milan le 14 octobre jusqu'au 17 octobre pour 55 euros. Là, c'est pour aller à Bucarest du 5 février au 12 février pour 60 euros. Si vous avez envie d'aller à Ibiza, en plus là c'est assez proche, c'est du 25 juillet au 2 août. Alors c'est vraiment un voyage imprévu, c'est spontané. Vous pouvez aller à Ibiza si vous avez envie avec un billet d'avion pour 60 euros l'aller-retour. Et c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup, ça vaut le détour j'ai envie de vous dire. Et pour finir, parce que je vais pas tous vous les faire, vous pouvez partir à Lisbonne le 26 septembre jusqu'au 6 octobre pour 60 euros aller-retour. Sincèrement, c'est vraiment un bon plan. Quand j'ai vu cette application, j'étais choquée, j'ai été bluffée. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et j'avais tout simplement envie de partager ce bon plan avec vous. Je suis revenue à la page d'accueil pour vous montrer les onglets des mois. C'est-à-dire, vous appuyez sur le mois de juillet et là, il y a toutes les destinations
pour le mois de juillet. Quand je vais en arrière, il y a la même chose pour le mois d'août. Donc, si vous avez prévu de partir, mais vous ne savez pas encore à quelle période du mois, vous pouvez trouver des bons plans en fonction des disponibilités qu'il y a dans le mois. Et encore une fois, les billets d'avion sont pas trop chers. Ils sont moins de 100 €. Et c'est vraiment incroyable. Et même, vous pouvez voyager en France. Là, par exemple, vous pouvez aller à Montpellier du 4 au 9 août. Pour 73 € aller-retour en avion. Et pour finir, si vous avez envie de modifier la ville de départ, vous pouvez cliquer ici sur la flèche et là, vous modifiez soit l'aéroport, mais moi j'ai parlé de ville, et là par exemple, vous pouvez mettre une autre ville de France, par exemple Lyon. Donc je vais faire tous les aéroports. Et là, vous trouvez tous les bons plans si vous voulez partir dans une autre ville autre que Paris. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle pourra vous aider à trouver des billets d'avion pas trop chers, surtout des billets d'avion aller-retour pour pouvoir profiter de vos vacances cet été. Là, c'est la période estivale. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez utiliser cette application ou bien si vous l'avez déjà utilisée. Je vous invite à liker cette vidéo pour m'encourager comme d'habitude. Moi, c'est Swat by Sonia et je vous fais des vidéos astuces et bons plans et un peu de tout sur ma chaîne YouTube. En ce moment, je fais des vlogs sur mes chatons et mes chats parce que j'ai eu deux portées, j'ai deux femelles à la maison et j'ai plein de petits chatons. Du coup, n'hésitez pas à aller voir aussi les épisodes de mes vlogs, ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez avec moi le bonheur d'avoir des petits chatons à la maison. Moi, c'est Swat by Sonia et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Vous pouvez vous abonner en activant la cloche des notifications pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. On peut aussi se retrouver sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram mais aussi sur mon compte TikTok. Du coup, n'hésitez pas à venir, à me parler, à m'envoyer des petits messages, à me faire un petit coucou aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!